Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Solali après quelques semaines d'absence. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je manquais de temps, j'étais fatiguée, les week-ends étaient très remplis et donc je n'avais pas le temps à vous consacrer, à consacrer aux vidéos. Hein. Sitôt je faisais les courses, sitôt c'était ramassé. Par la famille, donc non, clairement, c'était pas la période. Là, ça commence à s'apaiser. Ma fille va rentrer là tout à l'heure de l'école pour sa dernière journée pour être en vacances estivales. Voilà, on va bien, je vais bien. Notre petit mouton neige qui a 3 mois maintenant va très très bien. On essaye de l'habituer plus dans le champ que sur notre pelouse. C'est la grosse grosse difficulté. On lui donne encore des biberons, au moins 4 par jour max, parce que maintenant elle mange toute seule. En tous les cas, c'est que du plaisir d'avoir pu aider ce petit être sans sa maman. Bref, voilà. Aujourd'hui, ça va être un retour de course Leclerc, comme d'habitude, pour ne pas changer. Avec beaucoup de Eco Plus, parce que là, on est dans une période où il y avait 5% sur le ticket Leclerc. Bon, c'est pas grand-chose, mais mine de rien, si on cumule avec beaucoup de produits Eco Plus, c'est valable. En tous les cas, moi, ça me dérange pas, hein, ou à moins de faire au niveau discret. En tous les cas, j'ai pris quasi au drive de l'EcoPlus. En tous les cas, j'en ai eu pour 234 € en tout, ce qui m'équivaut à 10 jours sans faire de course. Avant d'y aller au Leclerc dans le magasin, on a fait un petit tour à Action pour acheter de la citronnelle parce qu'on est dans une période où il y a des moustiques. Donc, je me suis pris ça. En fait, c'est des bâtonnets à mettre sur le petit bocal. Donc, je vais mettre ça. J'en ai eu pour 1,99 sur ce produit-là. Je vais mettre ça dans le salon séjour. Et puis, j'ai pris 3 petits gels à la citronnelle à mettre dans la chambre des enfants. Et ça va être rangé. Voilà, mets ça sur le bahut si tu veux. Alors, pour commencer, tout simplement, j'ai pris du pain comme d'habitude. J'en ai pris 4, j'en garde un et le reste, je le congèle. J'ai aussi, mon homme m'a demandé d'acheter pour faire des pièges à guêpes du sirop de cassis avec des bières EcoPlus. Alors, les bières EcoPlus, c'est non pas pour les boire, mais c'est surtout pour l'utiliser et à mettre dans le piège à frelons, dans les bouteilles en plastique. Plutôt que de les jeter, on les garde et puis il en fait un piège. Ouais, fais attention, c'est pas grave, sinon tu vas. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté en bon plan? Du Ferry, des tablettes pour le lave-vaisselle. Alors, ça coûte une blinde. Là, j'ai pris le paquet de 31 tablettes, format original Platinum Plus. Il était à 11,58 et j'ai eu un bon de réduction sur Envie de Plus à 3 euros. Et je vais me le faire rembourser à 40% sur le même site Envie de Plus, mais sur un autre compte. Donc ça va me revenir à 1,50 € le paquet de 31 tablettes de Platinum Ferry là. Et ils sont très très bien. Moi je ne suis pas du tout déçue. J'ai pris aussi des sachets Belin pour les gâteaux apéro. Il y a un lot de 4 et sur le site Ma vie en couleur, vous avez un bon de réduction de 1,10 €. Sachant qu'il était déjà en promo sur le Leclerc, ça me revient à 50 centimes le petit paquet de Belin croustille. J'ai pris saveur cacahuète. Voilà. Alors, on passe tout de suite à tous les autres éléments quasi éco plus. Voilà. J'espère que vous allez bien vous aussi. Que vous profitez du beau temps, que le porte-monnaie va mieux ou va bien. Nous, ça va, on arrive à s'en sortir. Là, dernièrement, mon conjoint a eu une petite augmentation, donc on est plutôt content. Voilà. Concombre, l'eau de 2,20 €. Des tomates cerises à 95 centimes les 250 grammes. Des avocats Eco Plus 1,99 €. Des flageolets verts comme d'habitude. Des petits pois également. Qu'est-ce que j'ai pris en boîte? De la compote Eco Plus aussi. Ça, c'est pas mal quand on fait du boudin antillais que j'ai acheté. Voilà. Du boudin antillais Tradilège. Celui-là, il est très bon. Moi, j'aime bien. J'en ai pris 2. Il y en a 6. Il y en a 6 de chaque. Donc, on va se les partager. C'est plutôt pas mal. Sinon, en boîte de conserve, je me suis pris des haricots verts.
c'est la base hein, pour changer. Des haricots blancs avec des knackis que je n'ai pas acheté d'ailleurs parce que j'en avais, il m'en restait. Du fromage fondu Eco Plus. Alors, il me reste la marque La Vache qui rit, mais c'est pas grave. Ça, je vais m'en servir pour faire de la sauce pour les petits apéros. De la crème fraîche Eco Plus. 50 centilitres, 30% de matière grasse qui est très bonne et qui passe bien. De la semoule Eco Plus, je l'ai essayée la dernière fois et elle est très très bonne. Franchement, les grains se mettent super bien. Les petits gâteaux apéro pour les petits week-ends sympas, biscuits salés. C'est une boîte de 350 grammes, c'est à moins de 2 euros hein, le kilo. Hein. Franchement, quand on voit le prix des gâteaux apéro, ça coûte une blinde. Une boîte de miettes de thon Eco Plus. Alors, c'est une petite boîte de 160 grammes, mais moi, ça me va parce que s'il y a des jours où je n'ai pas le temps de faire la cuisine avant d'aller travailler, ça avec de la tomate, du maïs, je mélange et puis c'est bon, c'est fait. J'ai oublié d'acheter de la salade. Du soda tropical Eco Plus pour les enfants. Et puis j'ai pris aussi du lait Eco Plus comme ça. Il était donc à 5% calories, mais ça c'est pour le mouton, c'est pour notre petite Neige parce qu'elle boit encore du lait. Et sinon j'ai pris du lait entier marque repère, le délice. Voilà, voilà. J'ai pris du jambon cru Eco Plus. J'ai pris du saumon aussi Eco Plus, il a 4,35 le paquet. C'est pas donné, hein, mais c'était moins cher. Hein. Et bah, j'avais envie de me faire plaisir en fait. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pris en Eco Plus du riz. Alors c'est quoi? Le riz long étuvé, c'est celui qui ne colle pas. Celui-là, moi j'aime bien pour faire les entrées avec du maïs, du thon, des dés de jambon, des poivrons. Nous, on n'en mange jamais, j'y pense. Mais moi j'aime ça, mais toute ma famille n'aime pas ça, donc j'en achète jamais malheureusement. De la farine pour cuisiner, des spaghettis Eco Plus, c'est des boîtes de 1 kg, hein, c'est 1,39 le prix des spaghettis Eco Plus, comme les torsades, pareil, 1,39 le kilo. Des pains au lait, j'ai pris des pains au lait, j'en ai pris deux du coup, voilà, deux parce que du coup les enfants sont en vacances et forcément il n'y a plus de cantine, donc il faut prévoir aussi pour le midi. Donc forcément il y en a beaucoup plus à acheter et c'est beaucoup plus cher à la caisse. Deux paquets de pain au chocolat Eco Plus pour le matin, voilà, j'ai pas pris de chocoron parce que il en restait encore. Du fromage bon mayonnaise, j'en ai pris deux, ils étaient en promotion actuellement, mais ils ont augmenté énormément le prix au kilo. Le jambon, j'ai pris une boîte de 8 tranches, je ne suis pas sûre que ça va faire ce dimanche, c'est la reprise de la course de vélo pour mon garçon. Et 8 tranches pour le pique-nique, ça va être juste, c'est pas grave. Du chorizo doux. Du shampoing aux œufs Eco Plus. C'est un flacon de 750 ml. Alors moi je l'ai pris simplement pour moi, puisque bon j'ai des petits problèmes de santé et il faut que j'entretienne mes cheveux. Enfin, c'est compliqué. Du coup si j'achète des shampoings hyper chers et que je fais 4 shampoings tous les matins, ça va me coûter une blinde. Donc j'ai pas le choix. Je prends celui-là pour enlever le produit pharmacie. Alors je voulais prendre les gels lavant-main Eco Plus, mais j'ai pris deux fois shampoing aux œufs. Donc c'est 59 centimes la bouteille de 750 ml. C'est rédhibitoire. Bref, c'est pas grand-chose. J'ai pris par contre du gel douche Cadum, l'huile crème de douche sur gras, huile de coco. C'est les flacons de 750 ml en pompe. C'est plus pratique et ils étaient en promotion. Je les ai pris, mais je ne savais pas qu'ils étaient en promotion. Sauf que si, je crois que le deuxième était à moins 40%. Et j'ai pris le petit Cadum en gel lavant corps et cheveux démêlage facile. Ça, c'est pour ma petite pépette. Voilà, en pompe pareil. Donc, ça, c'est parfait. Ça va aller dans la salle de bain en haut. Et j'ai pris du bain de bouche Listerine. Il était à 1,50 et quelques, 53. Il y avait moins 30%. Listerine Total Care, goût plus léger. C'est ben voilà, pour avoir la laine un peu fraîche. Hein. Menthe douce sans alcool. Parfait. Ça va être pour moi et les enfants. Du Gruyère Eco Plus, une boîte de 1 kg à mettre au frais. Ça, les croisés Mazdam en tranches déjà faites. C'est la boîte de 200 grammes. Moi, j'aime bien. Quand j'ai un petit creux avant de manger, je prends du fromage. C'est pas très bon pour la ligne, mais bon, comme ça. Saucisse de Toulouse pour le barbecue, peut-être pour ce soir. J'ai pris en charcuterie du pavé au poivre. Alors, 16,80 le kilo, c'est pas donné, mais c'est une fois de temps en temps.
Et je leur ai pris du jambon cru désossé, 14 euros le kilo. Bon. Ça va être mangé en 5 minutes, hein, je vous le dis. Et du blanc de poulet, comme ça, et du blanc de dinde. Ça, c'est pour moi, avec des cornichons, j'adore. Franchement, que demande le peuple, c'est copieux, c'est pas cher en plus. Et de l'andouille sartoise, en tranche, en charcuterie, c'est moins cher que l'andouille de vire ou de déminé, hein, je vous le dis. C'est plus doux, c'est moins fort, mais c'est un passe-partout. De la merguez goronaise, alors je ne suis pas fan, mais il n'y avait que ça. Elle est quand même à 12,90 le kilo, le prix des merguez. Les saucisses de Toulouse, elles étaient à 9,90 le kilo. Et là, j'ai pris des filets de dinde. Donc, on va les mettre en escalope, on va les séparer. Puis, on va prendre une partie pour nous pour la semaine et l'autre, on va la congeler. Et le prix, il est à 10,70. Donc, c'est raisonnable. Je voulais prendre du filet mignon. Ça fait longtemps que j'en ai acheté. Il est à 14,95 le kilo. Bref, on est un peu tous pareils. Mais je vais attendre un petit peu les autres promos. De l'ail pour faire le gratin dauphinois. J'ai envie de faire un gratin dauphinois. Du comté, le prix a baissé au kilo du comté. Avant, il était à 14 euros. Là, il est à 13,30. J'ai regardé le prix au kilo. Du chèvre, voilà, Saint-Maur, les croisés, format familial. Hein. Moi, je prends 300 grammes. Comme ça, quand je fais des petits gratinés, j'ai ce qu'il faut. Des beignets pour le goûter tout à l'heure aux pommes. Ils aiment bien la noisette, mais là, il n'y en avait plus. On a pris aux pommes. Ils sont à 3 euros, les 10. Ça va. Ça va. J'ai pris aussi des gnocchis comme ça, du Saint-Jean. Gnocchis français à poêler. Ils étaient en promotion et ça revenait au même prix que les muscles. Donc, on va les essayer. J'ai pris une bouteille de mousseux pour fêter les vacances avec des amis. Elle était à 3,85 la bouteille, je crois, un truc comme ça. Mon petit déodorant que j'ai, qui était en promo, je l'achète toujours en promo. C'est toujours pile poil quand il m'en faut, donc c'est très très bien. Du pain de mie, il me semble que j'avais que ça en pain de mie. J'ai que ça en pain de mie. Oh, ben, ça ne va pas faire la semaine. Les sacs plastiques congélation, ça c'est bien pour congeler la viande. Et puis je m'en sers aussi pour la litière du chat. Du vinaigre Eco Plus pour nettoyer vos vides, vos robinetteries, mettre dans le linge pour adoucir votre linge ou désinfecter ou enlever les odeurs. C'est très très bien. Ou laver le sol aussi. Une boîte d'eau Eco Plus. Ça c'est pour les sorties le week-end pour avoir de l'eau avec soi. Et j'ai pris aussi en surgelé la paella, sachet de paella Marie. J'ai pris du poisson pané Findus parce qu'il n'y avait plus de marque repère. Et j'ai pris des crêpes au jambon Eco Plus, une boîte de vin que je prends très souvent, tous les 10 jours. Voilà, voilà, en tout, donc j'ai bien dit 234 euros, donc ça va me faire 10 jours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo assez rapide, express. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur cette vidéo pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!